هذا البرنامج برعاية سيما موتورز. نحن في سيما موتورز نفتخر بتسويق أرقى العلامات، ومن كل علامة نقدم لكم أحسن الموديلات. ومع نهاية سنة 2014 جهزنا لكم أقوى العروض، تخفيضات تقدر توصل حتى 500,000 دينار. اتصلوا بنا للمزيد من المعلومات. سيما موتورز، لونيفير دو لوتي مارك اون الجي. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من توتوبسيون. في هذا العدد راح تشوفوا معنا اون نوفوتي دو شي سيتروان دو ريترو افيك لي زونسيان موتو ايطاليان ainsi qu'une montée d'adrénaline avec le test drive de la 208 GTI. Restez branchés, voici son maire. توتوبسيون لومبريتا والفيسبا راح يكونوا ضيوف هذا العدد من توتوبسيون. الامبيونس ريترو اللي تذكرنا بخمسينيات القرن الماضي، دراجات ناريه عندها تاريخ، نحكيوها لكم في حكايتك مع سيارتك. كونستركتور يعني لو كونسيبتور فيرديناندو سيت انسبيري ولا اثر فيه انريكو بياجو. اون فيغي فيغ لي نوفوتي، حيث اطلق العملاق الفرنسي سيتروان سون كونسيبت كار اير كروس، اون فواتور تري انوفانت افيك لا تكنولوجي الوي بومب. Pour vous présenter notre nouvelle création, c'est un concept qui permet de positionner Citroën dans l'ère de l'après-cactus. Avec une puissance de 200 chevaux, 208 GTI Riyadhia برهنت عن جدارتها lors d'un essai dynamique في منعرجات باينام. Et enfin, le zapping auto avec plein de surprises et de nouveautés. Au cours de l'احداث اللي ميزت هذا الاسبوع. Toute option. La marque de Chevron lance un nouveau concept baptisé Aircross. هذا الموديل اللي يدي خطوطو من la C4 Cactus. Plus de détails dans ce VTR. Toute option. صالون تونغاي يقبل على فتح ابوابه لاحتضان اكبر ماركات السيارات. Ces dernières exposent leurs plus grandes nouveautés. علامة سيتروان من جهتها تتأهب لعرض son nouveau concept car dénommé Aircross. هذا الكونسيبت جديد عبارة عن SUV 5 portes basé sur le Mitsubishi ASX مثل Peugeot 4008. Pour vous présenter notre nouvelle création, c'est un concept qui permet de positionner Citroën dans l'ère de l'après-cactus. On est sur un concept SUV, un véhicule assez imposant avec une longueur de 4,55 m, une largeur de 2 m, 1,80 m de haut, donc on est vraiment dans les codes du SUV pour des marchés internationaux, des marchés nouveaux, pour faire évidemment de la conquête. Alors on a voulu avec Aircross tout simplement donner une suite à Cactus. Cactus est un succès aujourd'hui et on a voulu montrer que cette esthétique avait un très fort potentiel aussi sur des segments supérieurs et dans d'autres types de morphologie. On a par exemple réinterprété l'ensemble des codes de Cactus. La parenté stylistique avec le C4 Cactus est évidente. حيث لاحظوا ان الواجهه الاماميه ما تختلفش كثير عن الشقيق الاكبر، خاصه على مستوى المصابيح الاماميه الممدوده avec une signature lumineuse à LED. مثل الزير بومب على الكاكتوس، العلامه الفرنسيه وضعت ديزالي بومب كي سون يوتيليزي avec un nouveau matériau, de la mousse d'aluminium disposée dans les bas de caisse absorbant les chocs latéraux. داخل مقصورة أيضا علامات شبه مع الكاكتوس حاضرة بقوة.
La planche de bord transversale aérienne qui, par exemple, donne énormément une impression d'espace immédiate quand on rentre à bord du véhicule. Vous avez aussi les sièges extrêmement confortables, très enveloppants, très larges, avec des confections aussi très typées, très chaleureuses, très plutôt prenant leur inspiration dans le design mobilier. Vous avez également les IHM, c'est-à-dire tous les écrans qui sont dans la planche de bord, qui sont traités de manière très technique, comme posés au devant de la planche de bord, et qui ont en plus une interprétation graphique, on va dire assez exceptionnelle, que je vous invite à découvrir. Alors Aircross, à ce stade, est uniquement un concept car. Donc c'est une intention, et nous allons le dévoiler au salon de Shanghai. Nous avons hâte, évidemment, d'avoir les premiers retours de la presse internationale pour peut-être nous donner un élan. سيتروان تقترح محرك بنزين هايبريد قابل لإعادة التشحين بسعة 1.6 لتر THP 4 سيلندر 218 شيفو ألافون ومحرك كهربائي بقوة 95 حصان في الخلف. Tout option. من لومبريتا حتى لا فيسبا ومن لا مانورين حتى لو فيلو موتور سوليكس. Tout ça dans une ambiance de film. La Dolce Vita ou l'acteur principal كان علال من دويرة. Tout option. في حكايتك مع سيارتك هذا الأسبوع رانا متواجدين بمدينة دويرة. عاودنا ولينا لدويرة بيانسير بعد ما شفنا لا دوفين تاع سي حسان، جينا لدويرة باش نشوفوا حاجة واحدة أخرى. هذه المرة ما نقولوش حكايتك مع سيارتك، لكن حكايتك مع دراجتك ولا دراجتك النارية. رانا متواجدين اليوم عند سي علال في لوكاراج تاعو بيانسير، أو ميليو دو سات ميرفيوز كوليكسيون دو موتو إي دو فيلو أموتور، فوالا أون كوليكسيون أسي غيش، راح تتكلموا عليها بزاف. نخليو علال هو يتكلم لنا على كل وحدة من هذه لي بياس. فريمون رار. مرحبا بك سي علال معنا. الله يسلمك، مرحبا بكم انتم لثاني مرة نقولوا في مدينة دويرة. Voilà, donc là, effectivement, il y a le fait au milieu d'une panoplie, on a le bac à la radiat naria. Il y a les gammes sont différentes, les marques sont différentes. Donc, donc on trouve des italiennes, des françaises. Il manque une algérienne. Voilà, peut-être plus tard. Inch'Allah. Avant même de parler sur les motos qui sont venues ou la motocyclette, on a dit qu'il faut que tu collectionnes les motos. Je fais plus que les collectionneurs, ils se penchent vers les voitures, les anciennes voitures, mais tu as un penchement vers les motos. Vers les motos. Effectivement, ça remonte à le tofu, là. العمر الطفولتي ولا ما تندر انفونس وين الوالد رحمه الله كان نقول اماتور اي امورو او ميم طون دو لا موتو دونك من لا ماتشليس السكوتور لا فيسبا لومبريتا دونك نشفى انا avec des souvenirs d'enfance, mais quand il roulait, il marchait sur la Lombretta, il tenait pour des petites distances, hein, machi, le loin, le plancher. Donc je me rappelle, il tenait des fours le guidon, et voilà, donc les 100 ou les 150 mètres les bras ou le dar, ils cumulent bien le black. Donc voilà, où est la moto les quand ils doivent faire le Lombretta, Lombretta, voilà, une LD. راك تشوف كي لنا شويه على المبريطه تاعك هذه واش من الدات دو هذه سي اون سي 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 في الحقيقه هو في باللغه الاجنبيه سي ان لومبريتا سي لو لومبريتا دونك كومباراتيفمون على فيسبا دونك ان هذه سي اون 150 اون جي بي سي تادير اون غران بري 150 ال دي 57 يعني هذا السنة تاع أول استعمال في السير نتاعها دات دو 1959 هذه سي 1959 فوالا دات محرك دونك المحرك تاعها سي ان دو طون كي ديفلوب دايور دو شيفو فيسكو اي سي شيفو شيفو دي ريال يعني دو بويسونس يعني بارابور ا لا بويسونس لو كونستركتور يعني لو كونسيبتور فيرديناندو اينوشانتي
Innocenti. Ça se prononce Innocenti en italien. C'est inspiré ou l'a fait Enrico Piaggio, le constructeur de Vespa. De la Vespa. La Vespa, bien sûr, Vespa, c'est la pionnière. C'est la pionnière. Voilà. C'est la pionnière par rapport à l'Ombretta. Parce que la Vespa, c'est en 46. Elle fout de s'en y aux Torben. Elle fout de s'en y aux Baorben. Ferdinando Innocenti, il fabrique, il construit le Lombretta. Elle ressemblait davantage à une trottinette qu'à un scooter. Bien. Nous avons la 125, 2-3, une 125 cm3, bien aimé, 25 cm3, voilà. Trois rapports, donc équipé d'une boîte, trois rapports longs, donc c'est des rapports longs, des vitesses. Hadi Kifkif, c'est trois rapports longs. Donc, tel que vous les voyez, Hadi, elle est équipée d'un cache guidon et d'un frontal un peu plus élancé, plus long. Par contre, Hadi, le guidon est nu. Voilà, et donc une différence, la position, la mise en place des klaxons de l'avertisseur. Mais mis à part ça, les généralités, elles sont pratiquement les mêmes. Il m'a fait un petit lève qui vient. Lombretta, c'est un constructeur italien, aucun chevaux, de produits de chez Lombretta. La nomination de Lombretta jette la ville italienne, bien sûr, Lombrette, tout près 2000 ans. Fabrication, la production, les motorisations, la société a été dette en 1947, ou pratiquement, les scooters, jusqu'à 1972. La Lombretta, dette. Le premier prototype qui a été lancé, commercialisé, c'est en 1950, la version C. Après, en 1951, Jet, la C Luxe. La C Luxe, c'est des ailes, fera des ailes ou fera, bien sûr, un tablier. Après quelques années, Jet, bien sûr, la version avec un carénage, qui est maintenant chauffeau, à partir de 1958. Voilà. Comme on voit là, une 150 cm et une 125. Voilà, toujours intact jusqu'à nos jours. Bien sûr, nos Kaufera. C'est une monoplace, voilà, avec une deuxième place utilitaire et roue de secours. Donc, roue de secours pour les motos, à nos jours, Malraouch, bien sûr. Voilà. Et on distingue une petite différence entre Hadi et Hadi. Hadi, c'est une Lombretta milanaise. Elle a été fabriquée près de 2000 ans, qui maintenant fait Lombretta, la ville de Lombretta. Au Hedia, fait la ville de Troyes. Ou comme on voit, bien sûr, il y a une petite différence entre les deux. L'une, elle est plus ancienne que l'autre. La première, c'est une 1953, et l'autre, c'est une 1959. On est parmi cette collection, qu'il n'a davantage. Là où je connais, il y a comme moto ou comme vélo. Pour les Vespa, vous avez là, il y a deux modèles. Deux modèles différents, ou avec deux gammes différentes. Le Hadi, c'est une VNL B1 125. Ou Hadi, les jets, le titre, c'est la Vespa 60, le modèle 60, la Vespa des années 60. Ou le modèle. Donc c'est une 125 avec trois rapports, le moteur, ce qu'on appelle trois rapports ou la trois vitesses. Et l'autre, c'est une, bien entendu, un siège monoplace et un siège utilitaire. La deuxième, par contre, c'est une 150, c'est la Vespa 150 GR.
avec un moteur équipé d'une boîte avec quatre rapports, par rapport aux trois rapports. La 150 est plus puissante que la 125. La Vespa a été brevetée en 1947 par Piaggio. Bien sûr, comme on le voit, c'est l'un des premiers prototypes qui ont fait les années 50. La version de l'arrière maintenant, c'est une 127-125 cm3. Où les premiers modèles, les premiers prototypes, les thèmes, c'est des 98 cm3. Donc, moteur à deux temps, qui m'a chauffé. Bien sûr, elle andra biplace, donc deux places, voilà, avec bien sûr un compartiment pour charger, un compartiment utilitaire. Voilà. Et bien sûr, la roue de secours, la fameuse. Route secours, elle est mise à Biha, la Vespa. La Vespa, elle tient son nom de la guêpe. Donc, la signification, le mot Vespa, en italien, c'est guêpe. Guêpe, elle dit qu'il faut acheter. Eh bien, Piaggio, Gherja, chef de le modèle, chef de le prototype, le premier prototype par la Vespa, Vespa. Il a été surpris. Bien sûr, chez la moto, carrément, une guêpe. Bien sûr, les designers, les ingénieurs qui ont la moto, c'était dans le domaine de l'aéronautique. Donc, on trouve bien sûr des pneus carrément, les roues d'un avion. Donc, voilà, c'est vraiment bien sûr les lignes. Aussi, c'est des lignes un peu dynamiques. La fameuse chose que j'ai dit, c'est la Vespa. Bien sûr, c'est le tablier. Voilà, il y a l'aspect classique. Donc, donc les années, on peut conduire la moto en s'habillant en costume et en cravate. Voilà, donc on n'était pas obligé de mettre un truc léger, un truc jaune, jean ou là. Et tout. Donc, elle dit qu'un net, tu te sers bien sûr du costume. Ou là, le classique qui m'a chauffé à même. C'est une très très belle Vespa, bien entretenue. On trouve bien sûr le Perna de Piaggio, comme on voit ici. Voilà, ou bien sûr, la moto ou le scooter, il a eu son succès entre les années 50 et les années 60, surtout dans des films où il a la moto, elle a été la star du film Balade roumaine ainsi que le film La Dolce Vita. On a une autre merveille, une merveille, je dirais, phénoménale, un phénomène. Hein. Une pièce très rare, on ne trouve pas de nos jours les maquages. Non seulement très rare, mais d'après nos, notre modeste recherche, c'est une pièce unique en Algérie. Yani hadi haba wahida nqoulou hnaya fi Aljazair, عندها تاريخ كذلك, تاريخ وطني نجمو نقولو. Son premier propriétaire est un shahid rahimahullah ou rabbi rahim jami' shuhada ala kulli hal, assassiné par l'OAS en 1958, enfin 58-59. Hiya, c'est une 58 d'ailleurs, elle était toute neuve. Depuis, qadit dans un garage. Il a raït Tsainat, elle a changé d'endroit, mais elle n'a pas été remise en état de marche. C'est une manurin, de point de vue référence, une DKW, conception franco-allemande. Équipé d'ailleurs d'un moteur à variateur donc automatique, mais il y a une vitesse qui avec boîte manuelle, plutôt une boîte automatique qui développe enfin qui 75 cm3. Down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was on the loose. Oh, while I did that music, she said me to. I said, pretty baby, come on and let us do it. Dixieland, well, Dixieland, Dixieland.
هذا الموطو كما راكم تشوفوا امام الناس بيان سي مانيغان مانيغان لا ايتي كونستويت لا بروميير فوا ان 1956 كانت تخدم سو ليسونس لي دي كا دبليو في سي لا سوسيتي اللي كانت تخدم هذا الجونف دو موطو واللي كانت مسمات بلا اوبي مي ا بارتير دو 1958 يعني مانيغان خذات لا ليسونس من ديكا دبليو في ولات تخدم هذا الموديل هذا الموديل كيما نشوفوا امامنا سي ان موديل فريمون رار دو نو جور كيما نشوفوا bien sûr équipé d'un tablier et d'une motorisation voilà arrière grâce le head la coque qui sort carrément comme un capot et comme ça on pourra yani, avoir l'accès sur sa motorisation bien sûr on va parler sur la firme de Manigan la manufacture au début des années 50 كانت مختصه في صناعه الاسلحه كانت تصنع l'armement Ou après aussi tenir les machines de textile. Mais vu que l'époque il y avait beaucoup de crises, donc Donc d'une période où ils font l'armement, une autre période n'empêche. Donc la main d'œuvre qui m'en roule, si on peut dire, ما قدروش يحكموا لي بوست تاعهم اوتوماتيكمون لا سوسيتي كانت رايحه لا فايت دونك ال سي بونشي فيغ لا فابريكاسيون دي موتو اي فوالا لو ريزولتا فوالا امامنا les motos, le vélo, le moteur. Voilà. Alors, le Solex que oui. vous avez là devant vous. Alors, le Solex, c'est un vélo moteur français, yani, français, oui, de conception. Hada Kadalik, c'est-à-dire, il a été conçu pour une certaine catégorie de gens. Léoma, les personnes un peu âgées. Alors, Solex, c'est une maison, bon, après, à Covid, pour. La construction de carburateurs, ils sont dans beaucoup plus dans la carburation. Et à un moment donné, voilà, ils ont conçu le vélo moteur Solex. Solex est l'entreprise mécanique qui a été fondée en 1905 par Maurice Godard. Comment on chauffe maintenant ? C'est un vélo moteur de chez Solex. Voilà, c'est la société qui est bien sûr les carburateurs et puis après les vélos moteurs. Comment on chauffe le vélo ? Il est intact, bien sûr, il date des années 50. Voilà, la motorisation de Raijaya Flaro avant. Voilà, et on la déclenche grâce à cette étirette. Là, on a mis le moteur, donc il voulait le contact avec la roue avant, ou là, en même temps, une autre, elle mouhavek. Voilà, c'est comme si un grand dynamo. Voilà. Walk you home. I used to hold your hand. You see them around. Every time it rained, you used to cry so much. It was a crying shame. You used to live over yonder by the railroad tracks. Mais très bien, donc au milieu de cette merveilleuse collection, voilà. Yani, rahna, rajana lor, les années 50, 60 peut-être. Donc je prends la hnatan et balak nous les années 50. Oui, pourquoi mais pas. On va tester quelques-unes d'entre elles. Avec plaisir. Voilà. On va tester la Vespa, la Lombretta et peut-être, le vélo. Le vélo, voilà. Donc voilà, nous aussi, on va faire un petit tour. Faites les deux Vespa.
Voilà, on va mettre le casque. C'est... Voilà. Ilusha. Bien sûr, la deuxième Vespa, elle est à ma droite. Ah oui, sur Féha. Bien sûr, elle a une belle balade. Les redoutes, les années 50. Comme on voit aller au milieu, c'est. Bien sûr, c'est l'Ombretta. Donc la collection des motos italiennes ou des scooters italiens, elle est en place. Une belle balade, on a bien en profité. Voilà. Donc on va essayer ce vélo moteur, ce Solex. Voilà, on trouve la motorisation qui a eu le DJ par avant. Voilà. Très bien. Donc, pour que nous devons nous faire, il faut donc pédaler un peu. En fait, on lâche, on relâche grâce à cette tige. On a une motorisation qui monte automatiquement. Donc, pour libérer et démarrer le moteur, on lâche celle-là et hop. Voilà. Et maintenant, on roule bien sûr en vélo moteur. Donc voilà, la balade Tana, elle continue bien sûr vers le vélo moteur de chez Solex. L'année était aussi 1962. Donc c'est un peu la bohème, c'est un peu le, la Madeleine. Nas bien sûr les achouf avec le temps. Ils te feront avec les années, ils te feront bien sûr avec les vélos. Voilà, donc à la fois on peut pédaler aussi. Et en même temps on a la motorisation. Donc on qui coule au frein ou la si on n'a pas envie de pédaler, donc directement on enclenche la tige ou le chaud le moteur qui tape. Voilà, c'est une très très belle balade. Alors derrière moi juste qu'il y a Manurin bien sûr ou la Vespa. Do you remember me, baby? Like I remember you. Here's your name, toute option. Une très belle balade à bord de la Vespa. Je suis dans un film italien. Suite de nos programmes après la pub.